what is it that you do? My life was great till you added colors. Like the moon needs the sun, we don't care about the others. You said my world. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. On est samedi aujourd'hui. Je suis un petit peu déçue par le temps. Alors il nous annonçait un beau week-end, mais là j'ai l'impression que, je sais pas, on a comme un voile blanc en fait en dessous du ciel, et du coup le soleil ne perce pas, et il fait tout gris. Bon, peut-être que ça va percer en cours de journée, il est 10h, donc voilà. Hein, on va croiser les doigts. Parce que ce soir, comme je vous ai dit hier, c'est moule frites chez les parents à Greg, mais on compte manger dehors parce qu'on sera tous là. Donc je pense qu'on doit être 17, enfin une vingtaine quoi en fait. Donc oui, ça serait bien qu'il fasse beau. Donc en prévision de ces moules justement, Greg est parti faire 2-3 courses. Alors au programme ce soir, ça va être moule marinière, moule espagnole et moule au maroilles. Donc c'est des recettes que je vais pas pouvoir vous filmer parce que je vais les faire chez mes beaux-parents, mais je vous expliquerai peut-être vite fait tout à l'heure comment je les fais. Mais là du coup Greg est parti faire 2-3 courses. Il devait passer à Bricot pour aller chercher... Marley, t'es casse-pieds avec ton jouet là. Il devait aller chercher des vis pour remplacer deux vis qu'ils étaient un petit peu... Enfin trois vis qu'ils étaient un petit peu... Vous voyez la tête de vis, elle avait grippé, enfin ripé, et du coup en fait à la force de les démonter et les remonter, c'est le truc qui a mal été fait en fait sur ce fauteuil. Il est pratique parce qu'on peut complètement tout le déhousser, même les côtés et tout, donc vous arrivez à avoir un fauteuil nickel, mais ils ont mal étudié l'affaire sur juste cette partie ici, parce que la Mary Jane ça va tout seul, vous pouvez tout enlever sans démonter. Mais là ici, en fait, vous devez, pour la scie là, vous devez tout démonter, les 4 vis qui tiennent en fait, pour pouvoir enlever la housse. Alors du coup, à la force de démonter et de remonter, les pas de vis ils foirent quoi en fait, et on n'arrive plus à les remettre ou à les dévisser. Donc Greg est parti voir en même temps à Bricot pour avoir des nouvelles vis pour pouvoir tout remettre cet après-midi. Marley, t'es casse-pied avec ton jouet. Hein? Oui, et ensuite, du coup ce matin, moi il faut que je boucle un petit peu tout ce que j'ai à faire pour pouvoir avoir mon après-midi tranquille. Il faut que je finisse de répondre à vos commentaires, que je mette la vidéo en ligne. J'ai mon menu à taper et à revérifier pour la semaine prochaine. Et je pense que je vais vous laisser 2 minutes, le temps que Marley se calme. Il me fait trop rire, il lance son truc et il saute avec ses 2 pattes dessus quoi en fait. Mais ça va, je suis étonnée, c'est qu'il est quand même assez soigneux avec ses jouets. Il vient pas... parce qu'il y a des chiens, surtout des grands chiens avec des grosses mâchoires comme ça, qui abîment tout. Et lui, non, ça va. En fait, depuis qu'il est né, il m'a abîmé qu'un seul jouet. Et encore, je pense que c'est son doudou qu'on avait acheté quand on a été le chercher. Je pense que c'est parce qu'il a commencé à se découdre un tout petit peu qu'il y avait de la moumoute qui sortait. Et du coup, ça l'a intrigué. Il a tout sorti la moumoute, mais il a pas plus abîmé que ça, quoi, en fait. C'est de ma faute, j'aurais dû le recoudre tout de suite. Mais on lui a donné un vieux doudou qu'on avait retrouvé au grenier et tout, il aurait pu le déchiqueter en moins de 2, non, c'est, il fait pas. Là, ce truc-là, il pourrait vite le... Parce que c'est un plastique assez mou. Et ben non, il le craque pas en fait, il va doucement. Et même quand on tire, vous voyez, quand on s'amuse à tirer et qu'il sent que le doudou est fragile, et ben il tire pas quoi en fait, il fait pas aller toute sa force quoi en fait. Il est soigneux, c'est bien. Il est bruyant aussi. Hein, il est bruyant, Marley. Bon, allez, je vais aller bosser pour faire tout ce que j'ai à faire. Comme je vous ai dit, après, j'ai mon menu à faire et puis préparer pour le blog l'article aussi. Donc, on va bosser pendant une heure et demie sur le PC. De toute façon, Greg est parti au potager ensuite. Ensuite d'avoir été faire les courses, il va aller au potager. Donc, je vais être une bonne partie de la matinée. Avec les enfants sans les enfants, parce que les enfants, quand c'est week-end, ils traînaillent au lit dans leur chambre. Ah, ça y est, j'ai tapé mon menu, j'ai répondu à vos commentaires. Enfin, logiquement, j'ai fini de travailler aujourd'hui sur le PC. J'ai fait, comme je vous ai dit, j'ai fait mon menu. Là, je suis en train de classer mes recettes, ranger les recettes que j'ai plus besoin et sortir les recettes que j'ai besoin pour cette semaine, tout mettre dans ma pochette.
comme je l'ai dit, hop. Cette pochette, enfin vous avez été beaucoup à me demander où est-ce que je trouvais mon scotch. Donc c'est Action, c'est le scotch aimanté. Donc c'est Action. Souvent, moi je le trouve rayon papeterie, mais je sais que dans certains Actions c'est ailleurs. Mais oui, souvent c'est peut-être aussi dans le rayon bricolage là, vous voyez. Mais il y a deux, il y a un rayon enfant et un rayon adulte. Là c'est plus dans le rayon adulte. Mais souvent oui, moi je le trouve là où il y a la colle, le scotch normal, les stylos et tout. Voilà. Sortir mes recettes. J'ai froid. Franchement, Ikaï, je suis dégoûtée. C'est quoi ce temps? Non, mais pourquoi on nous annonce? Pourquoi on nous fait des fausses joies comme ça? C'est pas possible, quoi. Oh, on nous annonce du beau temps. Hein? Donc, il doit faire beau. Non, mais... Allez, je vais faire ça. Je vais pas savoir faire les deux en même temps. Parler, le faire. Donc, je vais faire ça. Et puis ensuite, je vais continuer à avancer sur les petites choses que je veux faire. Je vais regarder pour faire un petit truc peut-être pour ce soir. Ouais. Alors, j'ai regardé un petit peu ce que je voulais faire. Et il y avait deux recettes que j'avais mis de côté que je voulais tester avec le MCC. Voir ce que ça donne. Je vais tester un crumb cake à la framboise. Et je vais peut-être faire un gâteau renversé à l'ananas aussi. Il faut que je regarde si j'ai encore des tranches d'ananas. Mais je pense que j'en ai encore. Oui, donc je vais faire ça. Je pense que ça pourrait... je vais en faire deux parce qu'un seul, on n'en aura pas assez. On va tester déjà le crumb cake. Alors, c'est deux recettes que j'ai trouvées sur le site Coucomics. Hop. En fait, j'essaye d'utiliser de plus en plus mon MCC parce que je me rends compte que je ne l'utilise pas assez, quoi, en fait. Enfin, voilà, je trouve qu'il est un peu trop souvent laissé de côté. Donc, voilà, je voudrais... le tester un petit peu, enfin le tester, l'utiliser plus qu'en fait. Et puis c'est vrai qu'il y a des moments où on gagne du temps, hein, parce que franchement il va, enfin comme il fait les choses à votre place, vous pouvez faire autre chose à côté, vous avez juste à verser les ingrédients quoi en fait. Allez, on y va. Alors du coup en fait le crumb cake à la framboise, c'est un gâteau avec... c'est un peu en trois couches en fait. Vous allez avoir la partie gâteau, une partie avec les framboises qui vont devenir en cuisant un petit peu comme une confiture, et au-dessus il y a un strudel, comme un crumble en fait sur le dessus. Donc du coup il y a deux préparations à faire. Ouais, une préparation pour le crumble et une préparation pour la pâte à gâteau. Genre, en plus j'ai des framboises surgelées, donc je vais utiliser ça. Allez. Alors, au niveau des ingrédients, je vous l'ai dit, donc pour les crumbles, il faut 160 g de farine, 100 g de sucre roux, 100 g de beurre, 40 g de poudre d'amande. En fait, même si vous n'avez pas de MCC, vous pouvez très bien le faire. Vous prenez un robot avec une lame là et vous le mettez directement tout ça dedans et vous mixez. Puisque là, je suis sûre, c'est ce qu'ils vont nous demander. Alors, déjà, ils nous disent de préchauffer le four à 160 degrés. Et ensuite, la farine, le sucre... le beurre, les amandes, on ajoute le couvercle et on mixe. Voilà. Donc c'est tout à fait possible de le faire avec un robot. Sans, avant, je faisais très souvent, avant que j'avais le MCC, je faisais très souvent mon crumble avec mon robot avec une lame là. Alors, une fois que le crumble est fait, on doit le mettre de côté dans un bol, nettoyer le bol du robot et le sécher et ajouter... le petit fouet, et dedans du coup là on va faire la pâte. Alors pour la pâte il faut 3 œufs et 130 g de sucre en poudre, et il faut monter ça, vous voyez, les blanchir en fait ensemble. Donc on peut très bien le faire au... Donc pendant qu'il mélange mes œufs, moi ce que j'ai fait c'est que j'ai tapissé un cadre, ça ira mieux pour le faire cuire. Je l'ai tapissé avec du papier sulfurisé, pour le démouler ça sera plus simple. Et en fait j'ai mis un cadre parce que je sais pas, enfin j'ai mis du papier sulfurisé parce que je sais pas si comment elle va être la pâte. J'ai peur que ça coule sinon en dessous de mon cadre. Donc là c'est fini, il faut que je rajoute 50 g de fromage blanc, mais il disait dans les commentaires qu'on pouvait le remplacer par de la crème épaisse. Moi j'ai pas de fromage blanc, mais comme j'ai de la crème épaisse, je vais rajouter de la crème épaisse. Donc plus de la crème, il faut ajouter 50 g de crème ou 50 g de fromage blanc. En plus de ça, il faut rajouter 100 g de beurre fondu. Et ensuite, on met en route. On mélange ça.
Donc on peut le faire aussi au fouet si on n'a pas d'amis. Retirer le fouet et de rajouter 170 g de farine et une cuillère à café de levure chimique. Il n'y a plus qu'à verser du coup la pâte dans le moule, donc moule à charnière ou un cadre comme moi j'ai fait. Elle est semi-liquide on va dire. Elle est un petit peu liquide mais voilà, pas non plus super... Mais elle risque quand même de passer en dessous si vous utilisez un cadre. Donc mettez bien un papier sulfurisé pour éviter les débordements. Enfin, les... c'est pas le débordement parce que ça passera en dessous. Mais on voilà. On recouvre avec nos 300 g de framboises. Et puis, alors on a une fine couche de pâte. Hein. Ça fait vraiment des petits carrés avec... vous voyez, des carrés avec de la pâte légère en dessous, la marmelade au-dessus. Et puis de fraises en fait. Et, enfin, de framboises. Et ensuite le petit crumble qui va au-dessus. Donc là on va mettre le crumble et après il reste plus qu'à enfourner pendant 45 minutes. Et j'ai un gâteau déjà de fait. Franchement c'est ce que j'apprécie avec le MCC, c'est que ça va vite. Voilà. Donc vu l'épaisseur du gâteau, j'ai l'impression que 45 minutes ça risque d'être beaucoup. Donc je vais vérifier entre deux et faire attention. Et on y va maintenant du coup. Pour le gâteau renversé à ananas, il me restait justement une boîte d'ananas. Alors c'est une recette que je fais très très souvent, c'est la première fois que je vais le faire dans le MCC. Et on va voir si... enfin très souvent, ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait, j'avoue. Mais je pense que c'est une recette que... ah quoi que non, c'était avec des poires que je vous avais partagées. C'est très bon aussi. Un poire à... mais ça fait pareil, ça fait longtemps en fait. Il y a plein de trucs que ça fait longtemps que j'ai pas fait parce que je me les interdisais, clairement. Donc du coup, voilà. Alors là, ils disent de faire le caramel dans le MCC. Moi, je vais pas le faire dans le MCC, je vais le faire à la casserole. Par contre, la pâte à gâteau, je vais le faire dedans. Oui. Au niveau des ingrédients, alors pour le caramel, c'est 125 g de sucre, 80 g d'eau, une cuillère à café de jus de citron. Moi, j'aime bien faire mon caramel à sec parce que je trouve que c'est la meilleure façon de rater son caramel quand on met de l'eau parce que ça cristallise le sucre. Il y a plus de risque de cristalliser le sucre. Donc je pense que je vais le faire comme je fais d'habitude, donc juste à sec. Je vais juste mettre le sucre dans ma casserole, faire attention et attendre que ça brunisse. J'ai déjà essayé avec l'eau et tout, mais comme je vous dis souvent, c'est le truc où en fait ça devient comme des petits cristaux et vous n'arrivez pas après, il faut vraiment attendre que ça refonde et tout. Mais en même temps je me dis que c'est peut-être aussi une solution pour avoir un caramel liquide. Bon, on va tester leur façon de faire et puis on va voir. Hein, au pire je recommence. Ensuite du coup pour le gâteau il faut 4 œufs, 150 g de sucre, 500 g d'ananas en tranches. Donc là je sais pas il y a combien, mais ça doit être ça. Non, point net égoutté 340, mais bon ça ira. 230 g de farine, 150 g de beurre, un sachet de levure chimique, une cuillère à soupe de rhum blanc. Alors moi ça va pas être du rhum blanc que je vais mettre, j'aime bien mettre du rhum ambré moi dans ma pâtisserie, le Negrita. Et je vais mettre, et puis ils disent du jus de citron. Allez, go. Alors on commence par le caramel, mais comme je vous l'ai dit, moi je vais pas le faire au MCC, comme ça ça m'évite de devoir nettoyer mon bol du MCC. J'ai la flemme. Donc je vais mettre tous les ingrédients du caramel dans une... dans une petite casserole et puis on va le faire chauffer. Ils disent de le faire à la casserole. Donc ils disent de mettre 125 g de sucre en poudre dans une casserole avec 25 g d'eau, une cuillère à café de jus de citron et on fait tourner le sucre pour qu'il s'imbibe du liquide et on chauffe la casserole. Lorsque le caramel est presque prêt, il prend une couleur un peu rousse et il fume. On retire, poser un chinois sur une passoire pour éviter les projections. Et on ajoute, ah ils disent de poser du coup un chinois ou une passoire sur la casserole et puis d'ajouter 60 g d'eau très chaude, presque bouillante, petit à petit dans la casserole, prolonger la cuisson d'une minute. Alors je pense que c'est pour faire un caramel liquide. Donc, et en plus, ensuite il faut le transverser dans le moule à manquer beurré. Donc oui, je pense que c'est ça. Donc je vais suivre ce qu'il dit. Alors j'ai mon caramel qui commence à avoir une belle couleur, ça va, ça a fonctionné. Donc surtout n'allez pas avec une cuillère ou quoi hein, pour mélanger, il faut laisser la casserole comme ça fondre. Voilà, ça se fait tout seul. Tout ce que vous pouvez faire c'est mélanger comme ça avec la petite cuillère, enfin avec le manche.
Là, en fait, ils disent de mettre une passoire dessus, c'est pour éviter les projections. Je connaissais pas ce petit truc, donc on va tester. Et il faut mettre 60 ml d'eau très très chaude pour éviter, enfin vraiment bouillante, c'est pour éviter justement le choc thermique et que ça se fonde bien. Et puis ensuite, on remet une petite minute sur la passoire. Franchement, elle est pas mal. Alors ensuite, on vient verser le caramel dans le fond de notre moule. Alors mettez votre moule dans une plaque, petit truc, parce que vous allez voir que votre moule va être très très chaud, vous allez avoir du mal à le tenir après. Hop, donc là on verse et on a bien tout le fond du moule. Alors le moule il est beurré. Hein. Oups. Et ensuite on va s'occuper du coup de la pâte à gâteau. Alors il faut mettre 150 g de sucre avec 4 œufs dans le bol du robot et il faut bien battre, bien mélanger. Donc on peut le faire au fouet. Alexa, stop! Je vais regarder du coup le gâteau qui est dans le four. Alors après ils disent de prendre 500 g d'ananas en tranches égouttées, de prélever 6 tranches pour les mettre en fait dans le fond du bol et le reste ça va dans le bol. Moi j'ai prélevé 5 tranches et le reste, donc du coup il n'y aura pas les 500 g, j'ai à peu près ben, 5 tranches aussi qui vont aller dans le bol voilà. Et puis ouais, j'ai à peu près 5 tranches et il faut du coup les mettre dans le bol avec 250 g de beurre coupé en petits morceaux. Ensuite, il faut ajouter une cuillère à café de levure chimique et une cuillère à soupe de rhum blanc. Et le jus du citron. On remet le couvercle et on remélange pendant... Alors là, ils disent 25 secondes, 6 minutes. Je pense que c'est juste pour tout mélanger correctement. Et il y a juste à verser du coup la pâte sur le moule qu'on a mis les petits ananas et le caramel. C'est parti du coup pour 40 minutes de... Alors moi ce que j'aime bien c'est que je garde le jus et en fait à la fin de la cuisson je l'imbibe avec ce sirop en fait qu'il y a dedans. Ça rend le gâteau encore plus, vous voyez ça fait un gâteau humide là, voilà. J'ai sorti le gâteau, donc là je vais le laisser, celui aux framboises, je vais le laisser refroidir et ensuite on le coupera en petites parts, voilà, en carré. Alors je suis contente, j'ai su faire deux gâteaux en un petit trois quarts d'heure. Bah oui, trois quarts d'heure puisque l'autre est cuit. Donc c'est ça. Je l'ai mis quand même les 45 minutes qu'il disait. Donc c'est bon. Et en fait, la pâte, elle a bien gonflé en dessous. Hein. Je l'ai déboulé, j'ai enlevé le cadre. Voilà. Non, après, je me décorerai peut-être avec un petit coulis de framboise. À voir. Je viens de manger une rondelle de saucisson avec un grain de poivre. J'ai le grain de poivre là qui est là. ce que je vais faire après, c'est que Greg m'a rappelé justement, enfin il vient de rentrer du potager, il m'a ramené des courgettes. Et il me dit, ouh, tu commences à avoir beaucoup de courgettes quand même dans le... Alors je lui dis, ben, j'ai prévu justement une tarte à la courgette, à la ricotta courgette cette semaine avec du saumon. Et je pense que là pour l'apéro, je sais pas si vous vous souvenez, faut que je regarde. C'est une recette que vous avez partagée mais qu'on peut faire au MCC. C'est une recette avec de la courgette, c'est un pain. Alors... Je viens justement de retrouver la recette qu'on peut manger à l'apéro, on la coupe en petits carrés. C'est vraiment très très bon. Du coup, moi je vais en faire un après, je la ramènerai. C'est un pain de courgette. Ouais, c'est ça. C'est un pain de courgette australien. La recette est sur le Cookomix aussi. Ça, c'est simple à faire et ça fait partir des courgettes. Et puis c'est sympa à manger à l'apéro comme ça. Donc je ramènerai ça aussi ce soir. Le petit voile blanc qui nous gênait un petit peu là ce matin est parti, donc on a le soleil qui est revenu et le ciel qui devient de plus en plus bleu. Oui, encore un petit peu des petits nuages, mais je sais pas si vous allez voir grand chose. Greg est revenu avec du coup avec le maroilles que je lui avais demandé et la crème et il me disait qu'il y avait énormément de monde qui achetait des moules aujourd'hui. Je pense qu'on va beaucoup à manger des moules dans le nord. Hein? Il y a beaucoup qui suivent cette tradition. Qu'est-ce que tu veux encore avec... Pourquoi est-ce que tu me fais tout le temps aller quand je prends la caméra? Hein? Je vous ai pas dit, mais le repas de ce midi, c'est comme d'habitude le samedi midi, steak, frites, salade. C'est pour ça que je me suis permis de faire autant de pâtes de cuisine ce matin. Parce que j'avais pas le repas vraiment à faire. Les frites, c'est des frites surgelées qu'on met dans le ninja. Et les steaks, et je sais les faire cuire à la poêle. Que tu as mis en plus. Ouais, c'est vrai, c'est même pas moi qui l'ai fait. Hein? M'a bien rappelé. Hein. Tu te prends le laurier à chaque fois. Oh. Oh. C'est vrai que c'est... tu serais trop malheureux. Ouais. Bon, on fait ça bien. En plus, il fait cuire les steaks. Comme d'hab. On a fini de manger. On a bu un petit café. Je vous ai pas montré le gâteau renversé.
à l'ananas. J'ai versé, en fait j'aurais pu encore mettre une tranche à l'ananas là, mais c'est pas grave, ça ira. J'ai versé le sirop. J'aurais plus qu'à le couper tout à l'heure. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire le gâteau à la courgette, enfin le que je couperai en petits carrés. Donc il fallait du parmesan et du... Alors logiquement, c'était du cheddar. Moi, j'en avais pas, donc j'ai fait avec... c'est de l'édam, il me restait de l'édam en tranches, donc j'ai utilisé ça. Il fallait les râper et ensuite les couper en petits morceaux. Hop, dans le robot, ou vous les râpez, c'est comme vous voulez. Ensuite, une cuillère, une gousse d'ail. On ajoute, qu'on hache. En fait, vous pouvez mettre directement l'ail pressé avec un oignon. Alors, attendez, je vais essayer de vous mettre la recette directement. Alors, les ingrédients. Donc, c'est 50 g de parmesan et 120 g de cheddar ou d'un autre fromage. Ensuite, donc, on prend une gousse d'ail, un oignon. On les hache et on rajoute aussi 375 g de courgettes. Pareil, vous pouvez la hacher dans un robot avec une lame, en fait. Ensuite, on ajoute la farine. Donc, 150 g de farine, 20 g d'huile d'olive, 5 œufs, une pincée de sel, une pincée de poivre, 200 g de lardons et puis un petit peu de ciboulette. Et vous faites cuire ça ensuite au four. En fait, vous mélangez tout simplement, et on fait cuire ça au four. Ah, alors je vais vous dire, au four, c'est à 170 degrés 40 minutes. Vous retrouverez la recette hein, sur Cucumix, comme je vous ai dit. C'est la recette pain aux courgettes. J'ai haché l'oignon, l'ail et la courgette. Vous voyez, ça fait pas des, on garde des petits morceaux. Ça fait pas haché en purée qu'en fait. Donc là, j'ai enlevé la ça, je mets de côté. C'est pour éviter que ça devienne trop de la purée. Et ensuite, on continue avec la recette. Donc 150 g de farine avec un peu de levure, 20 g d'huile d'olive, 5 œufs. Une pincée de sel, un peu plus en fonction des goûts, un peu de poivre. On met le couvercle, 20 secondes, vitesse 4. Il y a le pain de courgette qui est dans le congélateur. Greg est en train de remonter tout le canapé. Ah ouais, il est tout propre. Bon, je sais pas si ça va durer longtemps, hein, mais bon, avec les plaids, ça va. Hein. Ça reste relativement longtemps propre, quoi, en fait. En fait, on met les plaids sur l'assise et du coup... En fait, c'est pas les poils parce que l'aspirateur ça enlève les poils, c'est surtout quand il revient de dehors, mettons qu'il y a les pattes mouillées ou quoi, ça a tendance à faire des traces. Ceux qui désobéissaient aux ordres étaient emprisonnés. Bon, là, il est reparti. Et puis nous, on fouille un petit peu sur les accoudoirs. Et quand on pose nos mains, même si nos mains sont propres, plus ou moins, ça noircit un petit peu. Bon. J'en ai marre. Et je pense que là, j'arrive à saturation de cuisine. Depuis ce matin, je suis en train. Je vais nettoyer un petit coup. J'ai plus que ma crème de maro à la faire. Et ensuite, ça sera fini. Je vais vous expliquer vite fait pour les moules. Du coup, alors, moule à l'espagnole. Je hache un oignon avec 3 poivrons. Vous voyez, je vais le faire avec mon robot, là, comme ça, avec la tirette. Je vais le faire revenir dans un petit peu d'huile d'olive. Je vais rajouter des petits morceaux de chorizo. Alors le chorizo c'est pareil, j'aime bien le couper en tout petits morceaux, comme ça il y a des petits morceaux qui vont à l'intérieur des moules. C'est pour ça que je hache aussi l'oignon et le poivron. Donc oignon, ail, je vous ai pas dit ail, poivron, chorizo, je vous donne les quantités approximatives, hein, mais là comme on est beaucoup, on va faire pas mal de kilos de moules. Comme je vous ai dit, il y a 3 sortes, on va peut-être faire 4-4-4, à mon avis. C'est ça hein Greg? C'est des sacs de 4 litres, 3 litres 4 kilos, et ils en ont pris 3. Donc on va seulement faire, voilà, 4-4-4. Je vous disais, un petit peu d'huile d'olive. Je fais revenir un beau gros oignon avec une belle devoir gousse d'ail. Poivron de 3 couleurs que j'ai haché. Une fois que c'est doré, j'ajoute un tout petit peu, enfin la moitié d'un chorizo, coupé en tout petits morceaux. Un peu de sel, un peu de poivre, pas trop de sel parce que les moules, elles sont un peu salées. J'ajoute des épices à paella dedans et je mouille un tout petit peu, mais vraiment léger. Alors c'est juste pour apporter un petit peu de liquide. Vous pouvez mouiller soit avec du vermeil ou soit avec un petit peu d'eau, c'est à vous de voir. Et vous mettez vos moules, vous mélangez bien et en fait les moules vont s'ouvrir. Vous mélangez au fur et à mesure pour que tous les ingrédients se mettent à l'intérieur de chaque moule.
Ensuite, pour ce au maroilles, donc c'est pareil, c'est très très simple. Je vais mixer deux maroilles auxquelles je vais enlever la croûte avec de la crème. Donc je vais prendre deux maroilles avec un pot de crème. Un gros pot de crème. Je vais tout mixer ça pour avoir une sorte de crème au maroilles que je vais ajouter dans mes moules, en fait, dans les moules à la marinière. Voilà, moules à marinière, que on prélève un peu de moule et on rajoute la crème et on fait bien tout fondre. La crème aromatisée du coup au maroilles, la crème de maroilles. On fait bien tout fondre et on mélange bien pour bien que la crème rentre aussi à l'intérieur de chaque moule. Voilà, un petit peu les deux façons que je fais les moules. Allez, maintenant je range et je vais faire ma crème de maroilles. Il fait un peu chaud quand même. On voit qu'il a allumé le four pendant toute la journée, pratiquement toute l'après-midi. Le soleil est reparti. Mais bon, il fait lourd. Ça y est, c'est cuit, tout est cuit. J'ai coupé aussi les barres. Qu'est-ce que ça donne du coup? Le gâteau. Et puis, alors là, je peux pas le couper parce qu'il est encore chaud. Mais l'intérieur, en fait, c'est le. Alors, c'est le pain aux courgettes qui est cuit. L'intérieur, ça fait un peu texture clafoutis. Franchement, c'est vraiment très très bon. La dernière fois, j'en avais ramené aussi comme ça. Je les coupe en tout petits carrés. Je mets des petites piques et on les mange à l'apéro. Et franchement, ça fait à chaque fois fureur. C'est vraiment très très bon. Même les enfants, en fait, ils en mangent. Ouais. Tout est remis, tout est propre. Je sais pas pour combien de temps, parce qu'avec un gros chien. Hop, ça, je vais ranger ça là. Je vais prendre mon classeur et je vais le ranger. Je vais sortir la zone du coup pour la semaine. Ah quoi, qu'elle était déjà dessus. J'ai pas besoin de le ranger. La zone 4, mon petit tableau. En fait, je le sors maintenant et je le mets sur mon... avec mes fiches recettes et tout, comme ça je sais dans la semaine ce que j'ai à faire et je peux m'avancer. J'ai tout emballé, les gâteaux, j'ai coupé et j'ai mis des petites piques pour les petits carrés. C'est encore un peu chaud mais c'est pas grave, ça peut se manger tiède, froid ou chaud, à vous de voir. Hop, c'est même parfait pour un pique-nique aussi. Et c'est vrai que ça serait une bonne idée aussi en recette, je vous ai dit hein, le midi maintenant c'est les trucs qui vont vite, ça pourrait être une bonne idée avec une petite salade. Bah, là ce qu'on va faire c'est qu'on va les promener Marley, on va aller faire un petit tour avec, comme il n'aura pas le droit à sa balade ce soir, ça lui dégourdira les jambes un petit peu. Lundi il y a le monsieur pour le câble qui vient, enfin pour la fibre, il doit passer du coup un câble, je me demande où est-ce qu'il va le passer, j'espère qu'il ne va pas me faire des trous partout. Ah c'est ça aussi, bon, on le fera demain, je voulais mettre en peinture la petite porte, mais voilà, ça sera fait demain. Hein? On va aller te balader, toi. Ça te dit? Moi, j'ai eu une journée quand même assez productive. Je range un truc avant que ça traîne. Hop. Toujours, toujours. À chaque fois, ranger tout de suite. Chaque chose à sa place. Allez, faire un petit café aussi, moi. On est en train de balader Marley. En fait, j'ai eu... pas très bonne idée je pense. J'arrive, j'en irai pas un petit peu plus par là, mais en fait compte c'est un peu ah il y a du ouf, zut ça pique ça. Ah je viens de me prendre une toile d'araignée. Il y a les ronces, oh là là, je vais vous montrer un petit peu. Ah encore une toile d'araignée, bah encore la toile, ça me dérange pas trop, c'est ce qu'il y a dessus. C'est de pire en pire. Ah, encore une branche de ouf. En tout cas, c'est bon à savoir qu'il y en a ici. Si j'en ai besoin pour mes décos de Noël. Oup, le plat. Il y a plein de ronces. Ich. Quoi, ça plaît à Marley. Oh là là. On est un petit peu bloqué. Bah ouais, là il y a un chemin mais c'est rempli d'orties. Et laisse-moi pas tout seul hein. C'est jamais. Hein, on a encore de la chance, c'est ce que je vous disais. Nous, on a encore des terrains comme ça, un peu arborés et puis verts. Un petit peu champ à la friche. En fait, on est vraiment à la frontière ici. Et je pense que ça doit être un terrain qui est voilà, entre les deux.
entre les deux pays, je pense. Et du coup, il n'y a personne qui sait à qui c'est, à mon avis. Et du coup, il reste comme ça. Il y a du picot, là. Mmh. Oh là là. Oui, donc du coup, il reste en friche un petit peu. Pour tant mieux pour nous, un petit peu. Ouh là là, il va être beau, Marley. Allez, avance. Il sait pas par où passer. On est sorti. Mais bon, je me suis plein de griffes, de ronces. En fait, on a dû traverser tout ça. On a longé tout là, dans la petite forêt là. Alors, on a dû traverser tout ça et du coup... J'ai plein de griffes. Je suis plein de griffes et plein de piqûres d'ortie. Ça gratte en plus. Bonnes idées de Sandra. Puis en plus, ben, Greg, ça va, hein, lui, il est en jean avec un sweat, donc il n'y a rien eu. Mais moi, je suis à courte manche. Super. Hop là, allez. On va rentrer là, pouvoir donner un petit coup à Marley parce qu'il est rempli de petits trucs qui s'accrochent au poil. Puis ensuite, on va y aller. Hein? Il fait bon, beau. Sur le soir, on n'a pas eu une journée aussi belle qu'hier en fait. On a eu une journée un peu grise, chaude, hein, mais grise. Et là, le soleil il sort. On va quand même prévoir sa petite laine pour ce soir, au cas où. Marley, viens mettre ta laisse. Allez, on va rentrer. Non. On est rentré. Il est tard. On n'a pas fini la soirée comme on l'aurait voulu. On l'a fini la soirée aux urgences pour Stacy qui s'était bien croqué la cheville. Alors c'est quoi le... Non mais la boule là. La moléole, c'est ça qu'on dit? Qui avait... Bah, vous voyez la boule qu'on a sur la cheville. Elle avait triplé de volume. Mais énorme. Donc du coup, la malléole. Ouais, je pense que c'est ça. Du coup, on a été aux urgences. Tant qu'il fasse une radio et tout. Bon, ce qui est bien, c'est qu'il n'y a rien de cassé. Bon, elle a une belle entorse sur une cheville qui avait déjà été fragilisée par une cassure. Donc du coup, voilà. Mais voilà, on va dire que la telle, c'est plus facile à vivre qu'un plâtre. Même si je pense que c'est plus douloureux une entorse qu'une cheville cassée. Parce que là, elle a vraiment très très mal, malgré les cachets pour la douleur. Mais voilà, donc du coup elle est partie pour 3 semaines d'attel et après elle a droit de la kiné. Pouf. On aime hein, finir les... Mais le pire pour une histoire bête quoi en fait, parce qu'elle joue avec ses cousins et elle s'est croquée la cheville sur une bordure. Sur une bordure. Ah, c'est toujours voilà. Un accident. Ouais. Alors elle était pas en train de jouer et il nous appelle en nous disant « Maman !» Bon allez. Bon après faut... C'est pas trop grave quoi. Hein. Mais bon, il y a plus, ouais, il y a plus grave. Du coup, elle est une dispense de sport jusqu'à la fin du mois. Et bon, nous, on aurait bien préféré finir la soirée autrement, hein, parce que là, du coup, ah, ça a plombé l'ambiance. Mais bon, allez, on va aller se coucher, mettre son pige. Puis aller faire un gros dodo, parce que là, il est 1h du matin, je pense. Ouais, 1h30. Allez, je vous fais des bisous. Et je vous dis à demain pour une nouvelle journée avec nous. Et bisous à demain. I lose my breath whenever I see you.